Facile de trouver les moyens pour amener les gens à adopter des comportements souvent plus responsables dans le sens où on doit toujours améliorer la production. Maintenant qu'il y a le commerce équitable, moi je trouve alors un levier. Il y a une démarche, il y a une exigence. Ce n'est pas la charité effectivement. Chacun est valorisé dans le commerce équitable parce qu'il s'engage, parce qu'il y a un cahier de charge et il doit à tout prix respecter le cahier de charge. Bon, ils ont bénéficié déjà, je pense, c'est la deuxième année. Et puis, ils ont eu à creuser ici ces trois puits. Et les gens sont vraiment contents dans le village. Ça les aide beaucoup. Commerce équitable, commerce si, équitable. On va écrire. Commerce équitable, c'est ça qu'on voulait. On voulait écrire là, ici, là. Avant, toutes nos femmes d'ici vivaient l'eau là-bas, loin, très loin. Mais maintenant, on voit que ça va déjà. On vient puiser ici. Tu pars, tu te reposes seulement à la maison. Et c'est déjà propre ici, là. Les gens étaient vraiment malades parce qu'ils buvaient de l'eau très sale. De l'eau où les porcs aussi entraient dedans et puis les personnes venaient aussi puiser. Surtout les enfants. Les enfants avaient de la bilharziose, des diarrhées, donc toutes sortes de maladies il y en avait. Et maintenant, grâce à la prime Flo, ils boivent de l'eau potable. Avec le commerce équitable, il y a beaucoup d'exigences quand même, comme on disait, les standards. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, ils savent qu'il y aura des retombées, ils font toujours des efforts quand même. Et ça marche. Il y a d'autres femmes. Je suis en train d'encourager les femmes. On fait la réunion, je leur dis comment fonctionne le marché équitable et elles-mêmes, elles voient comment nous travaillons et c'est bon. Et on voit aussi l'importance du marché équitable là. Les standards du commerce équitable exigent que les femmes soient dans les groupes. Mais les hommes là, ils ont accepté ça difficilement. Mais petit à petit, ils ont vu que vraiment ça pouvait marcher. Mais maintenant, elles ont aussi leur propre champ. C'est-à-dire elles sont autonomes, elles font leur champ, elles partent recevoir leur argent parmi les hommes. Et c'est comme ça que d'autres sont aussi entrés. Avant, on souffrait beaucoup pour aller écraser. Maintenant, on a eu le moulin. Nous écrasons ici, nous-mêmes. Et ça nous a facilité. Et prochainement, on compte encore faire l'école ici chez nous. On souffrait beaucoup, nos enfants souffraient pour aller loin. C'est pour cela que nous voulons aussi faire l'école ici. Ça nous a aussi beaucoup avantagés.
prochainement, on veut au moins les salles de classe pour les enfants. Tout ça, le nombre des enfants là, c'est beaucoup. Ils ne peuvent pas venir ici tout. Un nouveau village en commerce équitable dont ils ont débuté juste cette année. Donc ils n'ont pas encore les retombées du commerce équitable. Ils ont les mêmes problèmes, les difficultés d'eau, l'école. L'accès c'est vraiment difficile aussi pour les centres de santé. Bon, etc. Tellement. Même l'autre jour, quand il y a des gens qui partent à 5 km, 10 km pour aller chercher l'eau, pour boire, il n'y a pas. On dort même des fois comme ça sans manger. Des fois 2 jours, 3 jours sans manger comme ça, on dort comme ça. Donc le problème de la moulin, il n'y a même pas la moulin. Hôpital comme ça, là, on part jusqu'à là-bas à Badjouma, ou là, des fois même là-bas à Pitoa, il n'y a même pas l'hôpital. Des fois même on n'arrive même pas à l'hôpital, l'enfant se meurt en route. Avec la prime qu'ils vont recevoir, là, peut-être ils vont résoudre un peu de problèmes. Bon, ici, il n'y a vraiment pas de l'eau potable. Ils boivent de l'eau du maillot. Donc, s'ils trouvent même un puits là, ça les arrangerait. Moi, je souhaite qu'il y ait plus d'acheteurs en commerce équitable parce que tout simplement on paye un prix juste. Et comme le classeur nous disait, tout le coton qui est produit en commerce équitable est souvent de meilleure qualité par rapport aux groupes qui sont en conventionnel parce que ceux-là ils font vraiment un effort de tri, un effort de présentation du produit. Et je crois que les acheteurs devraient être très fiers des produits qu'ils reçoivent. Si chaque année, on espère engager le plus possible de producteurs dans cette démarche. Il faudrait qu'on cherche des marchés pour pouvoir déjà placer la production que nous avons et pouvoir également intégrer d'autres. Donc ma peur, justement, c'est par rapport à l'avenir. Les voisins sont en train de regarder d'un bon œil les groupes qui sont en commerce équitable. Leur espoir, c'est de pouvoir aussi entrer. Et si vraiment nous, on ne peut pas répondre favorablement à leur espoir, à terme, on risque d'avoir des problèmes. La deuxième peur, c'est de garder même ces groupes qui sont en commerce équitable aujourd'hui. Il y a un mouvement, les gens ont des projets qu'ils étalent sur 2 ans, sur 3 ans. Alors s'il n'y a pas d'acheteurs ou bien s'il y a moins d'acheteurs, comment on va faire avec tout ce que les producteurs se sont dit? S'ils ne trouvent pas un bon revenu l'année prochaine, ils vont dire à quoi ça sert d'augmenter sa production, à quoi ça sert d'augmenter sa surface. Eh bien, c'est nous tous.